Job, chapitre 36. Elihu continua. Patiente encore un peu et je vais poursuivre, car j'ai encore des choses à dire pour la cause de Dieu. J'irai chercher loin mes arguments et je prouverai la justice de mon Créateur. Sois-en sûr, mes propos ne sont pas des mensonges, c'est un homme intègre dans ses réflexions qui est avec toi. Dieu est puissant, mais il ne rejette personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse pas vivre le méchant et il fait droit au plus humble il ne détourne pas les yeux des hommes justes, il les place avec les rois sur le trône, il les y fait asseoir définitivement afin qu'ils soient honorés. S'ils sont chargés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens du malheur, c'est qu'il leur révèle la nature de leur activité, les transgressions qu'ils ont commises à cause de leur arrogance. Il leur communique son message pour les corriger, il les invite à renoncer au mal. S'ils écoutent et se soumettent, ils finissent leurs jours dans le bonheur, leurs années dans la joie. S'ils n'écoutent pas, ils meurent par les armes, ils expirent faute de connaissance. Les impies se livrent à la colère, ils ne crient pas à Dieu quand ils les chargent de chaînes. Ils meurent en pleine jeunesse, ils perdent la vie parmi les prostituées. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Il t'arrachera aussi à la détresse pour te mettre à l'aise, loin de toute contrainte, et ta table sera chargée de plats délicieux. Mais si tu défends ta cause comme le méchant, le jugement sera inséparable de ta cause. Attention. Que l'irritation ne t'entraîne pas à la moquerie et que la grandeur de la rançon ne te fasse pas dévier. Tes appels au secours suffiraient ils pour te sortir de l'angoisse, et même toutes les forces que tu pourrais déployer? N'aspire pas à voir arriver la nuit qui enlève les peuples de leur place. Veille à ne pas te tourner vers le mal, car c'est ce que tu as choisi à cause de la souffrance. Dieu se montre d'une force inaccessible. Qui peut enseigner comme lui? Qui peut lui prescrire la conduite à tenir? Qui peut lui dire tu as commis une injustice souviens-toi de célébrer la grandeur de son activité les hommes l'ont chanté c'est que tous les êtres humains peuvent la contempler chacun la voit de loin oui la grandeur de dieu dépasse ce que nous pouvons connaître le nombre de ses années est incalculable il attire les gouttes d'eau qui s'évaporent et retombent en pluie les nuages la laissent couler il la déverse avec abondance sur les hommes qui donc comprendra le déploiement des nuages le fracas de sa tente il déploie autour de lui sa lumière et il recouvre les profondeurs de la mer. C'est ainsi qu'il juge les peuples et donne la nourriture avec abondance. Il cache dans ses mains des éclairs auxquels il fixe une cible. Il s'annonce par son tonnerre, et même le bétail pressant son approche. Job, chapitre 37. Tout cela fait battre mon cœur, il bondit dans ma poitrine. Écoutez attentivement les vibrations de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche il le fait rouler dans toute l'étendue du ciel, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Puis éclate un rugissement, il tonne de sa voix majestueuse, il ne retient plus l'éclair, dès que sa voix retentit. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous sommes incapables de connaître. Il dit à la neige. Tombe sur la terre. Il le dit aussi à la pluie, même aux plus fortes pluies. Il interrompt ainsi l'activité de tous les hommes afin que tous se reconnaissent comme son œuvre. L'animal sauvage se retire dans une grotte et se couche dans sa tanière. Le tourbillon vient du sud et le froid vient des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace et la surface de l'eau se fige. Il charge les nuages d'humidité, puis il les disperse, traversés d'éclairs. Leurs évolutions varient suivant ses directives pour l'exécution de tous ses ordres à la surface de la terre habitée. C'est comme un instrument de discipline pour la terre ou comme une marque de bonté qui les fait apparaître. Job, prête l'oreille à ses paroles reste tranquille et considère les merveilles de dieu sais-tu comment dieu les contrôle sais-tu comment il fait briller l'éclair sais-tu comment les nuages se tiennent en équilibre ce sont les actes merveilleux de celui qui connaît tout parfaitement pourquoi tes habits sont-ils chauds quand la terre se repose par le vent du sud peux-tu comme lui déployer le ciel aussi solide qu'un miroir en métal fondu fais-nous connaître ce que nous pourrions lui dire nous manquerons d'arguments à cause des ténèbres de notre ignorance quand je parle doit-on l'en avertir? Mais un homme demande-t-il à être englouti? Soudain, on ne voit plus la lumière car elle est obscurcie par les nuages, mais un vent souffle et les balaye. Du nord survient une lumière dorée. Dieu s'entoure d'une splendeur redoutable. Nous ne pouvons atteindre le Tout-Puissant. Sa grandeur se manifeste dans sa force, mais le droit et la parfaite justice, il ne les maltraite pas. Voilà pourquoi les hommes doivent le craindre. Ils restent indifférents à tous ceux qui se croient sages. Job, chapitre 38. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ses dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a bloqué la mer avec des portes quand, dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel? Quand j'ai fait des nuages son habit et de l'obscurité ses langes? Quand je lui ai fixé des limites et imposé verrous et portes? Quand j'ai dit: Tu pourras venir jusqu'ici, tu n'iras pas plus loin. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues? Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants en tombent? Tout se transforme alors, comme l'argile qui reçoit une empreinte, et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, ils sont privés de leur lumière, et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le, si tu sais tout cela. Où est donc le chemin qui conduit à l'habitation de la lumière? Et les ténèbres? Où ont-elles leur domicile pour que tu puisses les conduire vers leur territoire et discerner les sentiers qui mènent chez elles? Tu le sais, puisque tu étais déjà né et que le nombre de tes jours est si grand. Es-tu parvenu jusqu'aux réserves de neige? As-tu vu les dépôts de grêle que je tiens en réserve pour les moments de détresse, pour les jours de guerre et de bataille Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et le vent d'Est déferle-t-il sur la terre Qui a ouvert un passage pour les averses, un chemin pour l'éclair et le tonnerre Pour que la pluie tombe sur une terre sans habitants, sur un désert où il n'y a pas d'êtres humains, pour qu'elle rassasie les endroits solitaires et arides et fasse pousser et sortir l'herbe La pluie a-t-elle un père Qui donc fait naître les gouttes de rosée de quel ventre est sortie la glace et qui a donné naissance au givre, pour que l'eau se déguise en pierre et que la surface du gouffre reste figée Peux-tu serrer les liens des pléiades ou détacher les cordages d'Orion Fais-tu paraître au moment voulu les constellations du Zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits Connais-tu les règles du ciel Peux-tu instaurer l'autorité de Dieu sur la terre Peux-tu élever ta voix jusqu'aux nuages pour que des torrents d'eau te couvrent As-tu lancé des éclairs sont-ils partis? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse au fond du cœur ou donné l'intelligence à l'esprit? Qui a la sagesse nécessaire pour compter les nuages? Qui peut faire pencher les cruches du ciel pour provoquer des coulées de boue et coller ensemble les mottes de terre? Chasses-tu la proie pour la lionne et satisfais-tu l'appétit des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière, quand ils sont aux aguets dans leur repère? Qui prépare au corbeau sa nourriture quand ses petits cris vers Dieu et vacillent, affamés?